Salut YouTube, je suis pas content. Alors on y va. On essaie quand même de le rêve américain quoi. J'ai pas le temps Kiro, dans 1h10 je suis censé travailler. Je peux pas tout faire. Si je veux faire du brototo, c'est maintenant. Si je veux manger, c'est on fait rien en fait. On a un aggro. Sire, on a un aggro, sire. Allez, on va tenter le bâton. On va voir ce qui se passe. On va voir ce qui se passe. Un fermier au bâton. C'est Charles Ingalls Origins. Là, toute mon énergie est là. Charles Ingalls Origins. Alors, on veut quoi? Est-ce qu'on veut plus de récolte? On veut plus de vitesse d'attaque. Moi, je dis vitesse d'attaque. Besoin d'aide pour faire une run artificiée. La vitesse. Vitesse ou vitesse d'attaque? Vitesse d'attaque. Ça doit être vitesse d'attaque, là, pour le coup. De la régène. Des chances de critique. Pressage dalle. La régène aussi, j'aurais pris. Ok. Comment vas-tu? Un petit bâton. La cicatrice. Et je m'en vais. Bien sûr qu'on trinque avec plaisir. Ah, c'est... Sache dalle, sache que... Dalle. Que je me suis fait... bolosser toute la matinée, c'est terrible. La vérité, terrible. Terrible à entendre, terrible à lire, terrible à... Mais c'est vrai. Aussi, on a eu très peu d'objets rouges. Fallait jouer à Tiny Rogs, c'est vrai. J'ai pas encore fini All Night. Ah mince, ok. Est-ce que vous pouvez aider Flora? Pour son run artificier, je me souviens plus de ce qu'il fait, lui. Esquive, oui, bien sûr. La vitesse d'attaque. Je dirais vitesse d'attaque. Et je m'en vais. Le café. Et je m'en vais. Et tu prends l'extraterrestre, toi? Ah ouais. Ok. Explosion. C'est vrai que l'artificier, c'est plutôt l'explosion. Bon. Oui, plus argent. J'essaie de voir ta stratégie. Hein. Astuce, je connais pas le jeu. De quoi, Tiny Rogue? Tu fous ma gueule? Mais pas Tiny Rogue. Tiny Rogue, tu connais le jeu. Do you know the game? Plus de récolte? Plus d'esquive. Et élémentaire pour augmenter la taille de l'explosion. Ah oui, c'est les dégâts élémentaires? Ah, putain, je me souvenais pas de ça. Les dégâts élémentaires sont augmentés. Ok. Les dégâts... Ok. Danny Rock, je connais pas. Mais Brotato est le premier rock de ma vie. Ah ouais, c'est vrai. Oh, bah oui, c'est pour ça aussi que c'est difficile. C'est normal. C'est normal aussi. Ah, les rogues, c'est la vie. Hein. Ah, un petit lance-pierre. Bah ouais. Ah mais alors du coup, on part bâton ou lance-pierre? L'arme en start, ça dépend ce qu'il te propose. Si t'as une déchiqueteuse ou un truc comme ça, quelque chose qui fait de l'explosion en fait. Et lapin si je veux, oui. Oui, c'est quand même... On est sur un utile tiers. Vas-y, c'est nul. Perso, je prends soit déchi... soit planche, mais les planches faut les virer vite après. Oui, c'est pas fou hein, on est d'accord. Faut dire que je fonce aussi sur les bouboules là. Madge, cessez de bouger, vous allez m'endommager les boules. C'est vrai ça. Ok. Garde chauve-souris, ah dommage. Là, je prendrai de la vie. Prendrai des PV max.
récolte et chance de crit de l'armure, ouais. Armure, c'est bien. C'est ça? Ouais. Ok. Ah, lance-pierre, bâton. Du coup, là, l'idée, c'est de partir sur un full lance-pierre ou c'est full au full primitif, on s'en fout. Mais à terme, les déchiqueteuses sont largement mieux. C'est vrai. Oui, full lance-pierre, d'accord, ok. Donc je prends pas de bâton, là, on s'en fout. Ou autre, si tu veux, après. Non, mais là, je prends pas le bâton, on est d'accord. Donc je prends le lance-pierre, ça c'est sûr. Je me casse. Je pense que je suis pas loin de la fin d'Hollow Knight. Je viens d'arriver dans un village qui s'appelle Dearthmoth. Exactement la dernière journée du jeu. Dearthmoth ? Qu'est-ce qu'il dit ? C'est pas là. Pré-roll gratuit. Ah oui. Bien vu. Bien vu, bien vu l'aveugle. Un champignon. Le champi, t'aimes bien les champis ? On verrouille le champi alors. Ourson, tu gardes. Ok. Bon, je garde les champis et ourson du coup. N'aie pas peur. Et Dearthmoth, c'est pas le village de début. Tu me mets un doute, ça fait longtemps que j'ai pas mis la main sur Hollow Knight. Malgré tout l'amour que je lui porte. Bah si, c'est le début, on est d'accord. Qu'est-ce qu'il dit? Je crois qu'il a mal calculé son pourcentage. Je crois que c'est le nombre d'heures qu'il a passé dessus sur la toute première zone avant le village. Ça c'est terrible. Elle a toujours pas gagné cette run? M'en parle pas Léléa, m'en parle pas. Toujours pas gagné tout court. les dégâts à la portée. Je prendrais au jeu reroll peut-être. Ça peut être pas mal d'avoir un truc un peu plus sympa ça. Reroll. Et dégâts à distance. J'ai eu le temps de faire 3 games de LOL. J'étais toujours sur ce perso. Ouais j'essaye hein. Bah j'essaye tu sais. On va garder ça. Précis médiéval. Je me casse. Faut essayer plus fort. Bravo, merci. Merci Akiro. Merci pour tes conseils. Ah, bon là, on est parti sur plutôt des dégâts à distance, hein, on est d'accord. Tout ce qui va être dégâts à distance, ça va être intéressant. Peut-être pas tout, mais... Découvert selon Xbox, il faut à peu près 1500 heures pour finir League of Legends à 100%. Ah, quand même. Lol. Ah oui, parce que c'est sur le Game Pass maintenant, c'est ça? Non mais... Ok. Tout va bien se passer. Ah de la vitesse. Moi, je choisirais la vitesse un peu parce qu'il faut que je puisse faire quelques petites esquives. Qu'en pensez-vous? Vitesse d'attaque ou vitesse tout court? Vitesse, hein? Ouais, vitesse. Le coupon. Tout court, ouais. Merci. J'ai prédit ta victoire. Tu n'as plus le choix maintenant. C'est win ou win. Ok. Le coupon. L'oignon terrifié. Coupon, oignon, reroll. On est pas mal. Ah, une file de la dynamite maintenant, dommage. Tout à l'heure, ça aurait été plus utile. Je dirais la bouche cassée et on s'en va. Ok. Ah, c'est ça. Je commence à comprendre ta strat. Après, ouais, pourquoi pas? Ça veut dire que quand même, il n'y a pas vraiment de tour où tu augmentes pas ton perso, quoi. De toute façon, si tu gagnes en danger 5, c'est que c'est payant. Hein. Si tu enchaînes les victoires en danger 5, tu sais que c'est payant comme strat. Bravo. 10 puntos, ça joue petit ziz.
Aïe. Allez, 213, on y croit. Ah, 12% de dégâts, ça me plaît. 10 points. Ouais, pardon. Pas besoin de plus pour remporter tous les points. C'est oui. Ouais, d'accord. Lance-pierre, bien sûr. Ah, le coupon d'abord. Coupon, lance-pierre, reroll. Parce que shuriken, là, pour de vrai, bon... Coupon, lance-pierre, reroll. Très bien. Ah. L'engrais, reroll. Stéroïde peut-être ? Abeille, oui. Ok. Vague 4 déchiqueteuse. Vague 4 déchiqueteuse. J'ai gagné une partie tout shuriken avec multi-poulpe là. Avec 9 shuriken à fond. Ah ouais! La partie est bien marrante, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, Pessoa. Ça, ah, ça devait partir dans tous les sens. Ah, full shuriken, j'adore. Moi aussi, c'est ce que j'ai essayé de faire tout à l'heure, mais le jeu s'est refusé. C'est refusé à moi. Je voulais faire du Ingalls-Jutsu. Le Ingalls-Jutsu, tu vois, le fermier ninja, quoi. Mais non, quoi. Mais non. Il n'a pas voulu. Bon, allez, j'y vais, là. Tant pis, ah ouais, go, parfait, c'est ça. Au début, qui détestait Shuriken, c'est vrai, hein. Ah ouais, tu sais, y a que les idiots qui changent pas d'avis. Et là, putain, qu'est-ce que je suis pas con, hein. Je suis pas con du tout, hein, parce que j'aimais pas ça, hein. Au début, je comprenais pas, en fait. Je comprenais pas le principe. Mais une fois que j'ai vu qu'il y en avait partout dans l'écran, et que ça tuait tout le monde, voilà. Par contre, on fait pas de dégâts, là. Ah ouais, non, j'arrive même pas à tuer les arbres. Ok. Ah, vague 5, 5 déchiqueteuses. Ok, d'accord. Ça, c'est beau, ça. Ça part bien, Flora. 5 déchiqueteuses, vague 5, c'est pas mal. Hein. Ça, j'en veux pas. La portée, peut-être pas mal. Portée ou vitesse d'attaque? Portée, hein. Ok. Un petit café. J'ai jamais win avec les déchiqueteuses. Le jeu m'a toujours troll sur cette arme, il m'endomme jamais. Ah, mais moi, tout à l'heure, c'était ça. Bon, on a vécu ça toute la matinée, là. Hein. À part la dernière run où... La dernière run, en vrai. La dernière run, on a eu quand même des explosifs et tout ça, c'était pas mal. Je pense que c'est moi qui ai du mal esquiver à un moment donné. Je sais pas trop ce que j'ai foutu. Je me suis retrouvé dans un coin, il y avait trop de mobs et je suis mort. Et bonnet peut-être ? Un petit bonnet ? Go jouer Glass Cannon. Que de l'offensif. Je suis au boss, j'arrive. Bonnet, oui. Va, va. Va, mon fils. Akiro le bro, quoi. Et Akiro qui enchaîne les dangers 5, là. Parce que c'est normal. Ne serait-ce pas là une arnaque ? Charlingals Origins. Le bâton. Ah, c'est comme Batman, quoi. Ouais, au début, il avait rien. Il a appris. Je vais t'avoir, hein. Non, je vais pas l'avoir. Je vais juste crever dessus. Si, je l'ai eu. Ça valait le coup, ça valait le coup, regardez. Non. C'est du pognon, hein. Chance de crit et moins de portée.
Oui. Chance de crit, esquive. Multitâche, lance-pierre, c'est validé. En j'imagine en danger 5. Oh, il devait y avoir partout, ça doit être drôle. Bravo Akiro. Pas génial ça. Esquive. Je dirais esquive. Le vol de vie? Ah ouais? Ok. Test d'attaque, récolte. Dégâts à distance, ça peut être pas mal aussi. Dégâts à distance ou vitesse d'attaque, je prendrais. Vitesse ou des dégâts? Je dirais. Salut Bitwalker! Comment ça va? Bienvenue! Installe-toi. Aujourd'hui, on fait pas de docu des qui. J'essaie de gagner à Brototo. Histoire de passer une bonne journée. Allez, je prends distance. On m'appelle. J'espère que tu vas bien, Bitwalker, en tout cas. La folie. Je prendrai une folie et une randomisation. Oui, ça va, ouais. Feu, tourelle, folie. Ah, tu prends la tourelle? Pourquoi? Ah ouais? Pourquoi? Pour le fun? Ben non. Bah autant randomiser, non? Garder notre pognon pour notre truc plus... 5 déchiqueteuses, bleu, vague 8. Pourcentage d'explosion 220, taille 78. Alors folie feu. Quoi folie feu? Feu de camp? Dégâts élémentaires, régénération? Ah ouais? Mais c'est chelou comme strat. Oui! C'est parti! Bon, attendez, quoi qu'il arrive. Lance-pierre. Bien sûr. Lance-pierre, chapeau, arbre. Alors attends, est-ce que tu me dis lance-pierre? Oh, déjà, chapeau. Voilà. Par contre, lance-pierre. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux avoir 4 lance-pierres? Est-ce que je les combine ou on garde 2 bâtons là vraiment? Parce que là, il va se combiner si je le prends, là. Est-ce que je combinerai pas un bâton? Parce que là, ils servent à rien, les bâtons. Combine bâton, on est d'accord. Ah ouais, mais bon, si tu précises pas. Et arbre. Et go. Ok. Merci beaucoup, Bitwalker, pour les 100 bits et le joyeux Noël. J'espère que pour toi aussi, tu as passé un beau Noël. Pardon, j'ai bugué 2 secondes et je me suis dit, mais tu voulais pas faire un truc là? Genre remercier quelqu'un pour sa générosité et pour sa gentillesse. Merci. Merci, Bitwalker. Merci beaucoup. Et j'espère que donc tu as passé de belles fêtes de Noël. Bah, c'était cool, c'était sympa, même s'il n'y avait pas, Crocro malheureusement. Elle était malade. Elle est toujours d'ailleurs, la pauvre chérie. Ça rame, hein. Ça, en vrai, ça m'aide vraiment pas, ça. C'est très désagréable. Ah, oh, mais ça rame, hein. Ça y est. 2 FPS, là. Non, mais comment voulez-vous? Comment voulez-vous? Comment voulez-vous que je joue? Je sais pas pourquoi ça rame. Je sais pas. Il y a des jours. En fait, il y a des sessions où ça rame pas du tout. Je peux faire n'importe quoi. Et il y a des moments comme ça où on sait pas. Ripley FPS. Mais non, mais en même temps, je peux pas jouer là. Je peux pas gagner. Déjà que le jeu, il est impossible. Mais pas impossible, mais il est difficile quoi. Bon. Allez, va. Youhou! Ah, merci. Merci. Merci, Bitwalker. Regarde. C'est pour vous. C'est Noël. C'est Noël. Bah oui. J'avais fait une petite déco Noël parce que samedi, j'ai fait un petit... Le chapeau à hélice encore. Double chapeau à hélice.
samedi, on a fait un petit live de Noël. Chapeau arbre vert. Chapeau. Je vire ce bâton. On est d'accord? Je recycle le bâton et je prends un lance-pierre. Je dois filer un peu sur mon projet. De gros bisous à tout le monde. Prenez soin de vous. Encore merci pour le stream. Et qui avec plaisir. Je compte tout ça pour gagner. Mais comment je vais faire sans toi? Je vais essayer. Des bisous à qui remercie en tout cas. Et je te dis à bientôt. Bisous. J'allais randomiser. Lui, il dirait non. Mais non, mais je sais. Mais jusque-là, en tout cas, aujourd'hui, il faut avouer que j'étais particulièrement mauvais. Ça marchait pas. Ah, j'aurais pas dû reroll. Non, faut pas reroll. On a dit que tu rerolles pas. Il l'a quand même fait. Merde, je voulais pas que tu partes là-dessus. Je vais essayer d'aller le plus loin possible. Pour toi Akiro. Bisous, bel après-midi en tout cas à toi et à demain soir si tu parles. C'est la dernière image de mon streamer favori, super. Et merde. Pardon. Désolé. Faut vraiment que j'ai des dégâts un peu de distance là, parce que ça se voit là que je suis en slip. Vraiment, ça se voit que je suis en slip et ça commence à ramer. Je reste calme. Donc je prends ça, je randomise. Et je m'en vais. Le jeu, allez le jeu, fais-moi plaisir là. Arrête. Bon la paix. Ah, je vais mourir. Je reste là. Ça y est, ça rame. Bon bah. je vois rien. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Pourquoi ça fait ça, bordel? Fais chier, je fais une matinale sur un jeu qui bug quoi, mais comment voulez-vous que je fasse? Ouais bah oui, mais je ne peux pas jouer. Je peux pas jouer. Ça sert à rien. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux bien essayer. Mais Zizedine, il est pas en 2 FPS aussi, Zizedine. Moi je veux bien faire des esquives. Je suis ouvert à toute esquive possible, mais là non, là je sais pas quoi faire. Vraiment je sais pas quoi faire. Et je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Je sais pas, attendez. Enfin, bouge pas YouTube. La petite der YouTube, c'est la petite der là. Hein. En espérant que... Qu'est-ce qu'on fait un petit der? On tente... Vas-y, on tente Charlingals. On tente Charlingals et puis on prie pour stream. Ah tu veux Skype? Tu veux streamer sur Skype? Il est bon. Qu'est-ce qu'il est bon? Qu'est-ce qu'on peut faire comme dengs? Full lance patate pour le beau jeu. Ouais mais ça le problème c'est que le lance patate il tombe une fois tous les 1000 ans donc. Avant d'en avoir 6, et pour pouvoir les combiner, malheureusement, le lance-patate, si tu veux, je le prends au début, pour te faire plaisir. Je le prends au début. Le triangle de puissance, je le prends, c'est dangereux. C'est dangereux le triangle de puissance. Si je me souviens bien, tu as des dégâts en plus, mais si tu te prends des dégâts, tu as 2 dégâts de moins. C'est ça? Pour la run. C'est dangereux.
Vague 13. Moi je l'aime pas, mais j'aime pas le prendre ce truc. Mais je me gourre sûrement, hein, je ne sais pas. Danger 3. Ouais. Moi je le prendrais pas, mais après je fais pas les meilleurs choix, la preuve j'y arrive pas. Je ne gagne pas. Donc un peu d'esquive. Et des dégâts à distance, pourquoi pas. De la vitesse. Mais il me met que des trucs... Je veux jouer à distance, c'est possible? Non. D'accord. Allez, je fais ça, je me casse. J'ai aussi les générateurs de courant. Ça dépend où est de la confiance que t'as dans ta run, c'est ça. Attendez. Où j'enlève là? Non. C'est fini là. C'est fini, on a perdu. Ah, ça me grattait la tête. Oh là. Tu partais pas à 15h? Non, à 15h30 max. 15h30 max. Si, avant ce serait mieux, mais... Les dégâts à distance. Ah ben... Oui, voilà. Forcément... Tout va bien. En vrai, sanglier, j'aimerais. J'aimerais que ça puisse se faire, ce full patate. Mais je suis pas sûr que ce soit très efficace. Je suis pas sûr. Vitesse d'attaque. Ouais. Lance patate, si tu veux play en survie, ça a une bonne cadence de tir pour le vol de vie. Ah oui, c'est vrai. Mêlée, distance. Bah non, c'est nul, hein, tout ça. Plus d'arbres. Abeille paisible. Et on y va. Ça repousse bien. C'est vrai. Pas tous les mobs d'ailleurs. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des mobs qui sont on dirait immunisés contre le repoussing. Et par exemple ceux-là, là, ceux qui tirent des boules. Ils s'en battent totalement la race. Après c'est difficile quand même en vrai. Mais c'est comme les pistolets mitrailleurs. Hein. Je trouve que c'est intéressant au début. Au début c'est rentable parce que tu tues vraiment tout. Et au bout d'un moment, ça fait tellement peu de dégâts. À moins d'avoir des critiques et une vitesse d'attaque de fou et une survie de fou. Un vol de vie de fou, quoi. On peut prendre les dégâts, pourquoi pas. Il n'y a rien de bien, là. Prendre le pistolet mitrailleur, pourquoi pas. Ah. C'est parti! Ah non, vraiment, c'est le meilleur combo, ça. Ça, c'est le meilleur featuring, ça. Et featuring... Attends, elle est où? C'est bon? Je l'écrase pas? Ou repousser à donf? Ah, peut-être. Peut-être repousser à donf, pourquoi pas. Allez, c'est parti! Bon, jusque-là, elle nous a pas trop réussi, en vrai. Après ça repousse, ça c'est sûr, hein, pourquoi pas. Ouais, mais non, mais là, c'est nul. C'est nul. Oh, je galère déjà. Vague 5, je galère. C'est normal? Non. La vérité, non, c'est pas normal. J'arrive pas à tuer les arbres. Après, si tu pars comme ça, tu oublies vraiment les kills. Mais je peux pas partir comme ça. Au bout d'un moment, si t'es submergé... Ah, c'est galère de ouf. C'est pas galère, c'est impossible en vrai. Un peu de régène, pourquoi pas. Je vais peut-être plus reroll aussi.
Esquive. Non mais vous pouvez pas me proposer un truc qui fait vraiment des dégâts ou... Un lance-pierre. On retente le lance-pierre. Ça n'a aucun sens ce build. Non, je crois que ça va pas le faire en vrai. J'allais mourir là. Prends-le. Prends des PM max. Ton PC va ramener, en plus il y aura trop de mobs. Bah oui, c'est ça. Oui, donc du coup ça sert à rien. Je sais même pas pourquoi j'essaye en fait, parce que... Et la prochaine fois qu'on lancera le jeu, ça va marcher nickel, on sait pas pourquoi. Ah ouais, un lance-roquette, vraiment? Bah pourquoi pas, hein. Ah, je sais plus quoi faire. Hein. Ça c'est ma faute. Ah, je vais mourir là-dessus. Ah, je vais mourir là-dessus parce que... Non, ça va. Ça va pas forcément beaucoup, mais... Comme je fais pas de dégâts, je me dis, bon, l'arbre, il va finir par tomber, sauf que j'attends que l'arbre tombe, étant donné que je fais pas de dégâts. Je ne casse même pas les arbres. Ah bah oui. Ah d'accord, ça rame déjà à vitesse 7. Donc, en vague 7. Ok. Bon, vol de vie 1%. Lol. Non, ça va aller, sanglier, c'est pas grave. Hein. Je t'en veux pas, hein. Il perd. Réducteur à la prédiction, il perd, bah oui. Bah j'aurais dit pareil, hein. Ça c'est beau ça. Ça s'appelle une communauté du soutien et de l'amour. Ou du réalisme. Ouais, peut-être c'est ça en fait. Avec une caisse, mais je l'ai pas vu. De l'armure? Ouais, vas-y, on repasse en positif parce que. Du vol de vie. Ah! Ah! J'ai pas assez. Ah mais non, mais j'aurais pas dû le combiner maintenant. Attends, je vais faire ça. Ça, c'était pas mal aussi, mais je vais faire ça. Mais non, mais pourquoi j'ai pas pris ça d'abord? Moi, j'en peux plus, hein. Moins 21% en esquive. Ah! Non, mais j'en peux plus. Vas-y, je le prends quand même. Je me casse. Est-ce que je vais survivre à ça? À la vague 9.
Combien? À moins 21 en esquive. Alors du coup, moins 21 en esquive, c'est comme si t'avais 0 d'esquive en fait. Hein. C'est pas... C'est juste que c'est impossible à remonter. Et tu peux pas esquiver moins que 0. Moins que pas du tout. Par contre, moins... l'armure négative, ça par contre c'est pas bon. Ça, là ça a un effet. Ok. Reste sur ta strat de tournée là. Fais pas le débilo. Ok. De la récolte et des dégâts mêlés en moins. Oui, ça c'est gratuit. De la vitesse peut-être. Ah, le chapeau à hélice. Attends, d'abord. D'abord le lance-patate. Après, on va voir. Dégâts. 10 de chance et moins 2 de dégâts. En vrai, bon, non, mais... Ça, c'est peut-être mieux. Dégâts de mêlée, non. Esquivo. Il n'y a rien de bien, là. Peut-être ça, mais les attaques ont 25% de chance d'infliger. En vrai, c'est peut-être fort, hein. Fort parce que je balance vraiment de partout là, entre le pistolet mitrailleur et... Ah oh, mais il met Mila à mourir. Je rêve d'un plus 6 de dégâts à distance là. Ah mais ils mettent trop de temps à mourir les... Les gros là. Aïe. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Ah ça y est. On arrive à la... Ah oh, non, je vois rien. Non, je vois rien. Ça rame, c'est impossible. Ouais, non. Je sais même pas pourquoi j'insiste. J'aurais dû arrêter, on aurait dû se faire un petit docu là et puis ça sert à rien de toute façon, là, je peux pas gagner de partie. Oh quel enfer, je peux réessayer une dernière fois. Petite der là, histoire d'avoir pris le temps pour quelque chose. Histoire d'avoir fait... La vérité, attends, juste une seconde. Est-ce que c'est... Est-ce que ce serait pas OBS? Je sais pas. Pas trop. Ça manque d'hélice. Bah non, pourtant pas. Elle était là. Elle était là, regarde. Elle était là. Elle était là, Serda. Mais ça n'a pas suffi. Ah, une petite der. Mais une petite der avec, je sais pas moi... Ah, il rame aussi sur Brototo lui aussi. Ah oui, mais lui, je sais pas. Ah, mais il s'est ramé comme ça ou c'était son live? Parce que moi, je sais pas si c'est son live ou si c'est lui, ça ramé chez lui ou ça ramé juste pour nous. Parce que ça dépend de sa connexion en fait. Peut-être ça qui ramé. Je sais pas. Compliqué avec le fermier du trail de kill. Il est pas vraiment fait pour. Ah oui, je sais pas, je lui ai pas demandé, ouais. C'est vrai que ça ramait de ouf hier. Mais ça avait l'air d'être plutôt du lag de connexion, je sais pas. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de beau? Non, tout ça c'est de la merde. Tout ça c'est bien de la merde. Non mais le build explosif là c'était pas mal hein, en vrai. C'est ça qui est dur hein. Ça qui est dur. Bon vas-y, on va partir là-dessus. Oh, lance patate pour commencer. C'est pas déconnant, mais...
J'ai pas de lag sur le jeu en live, j'ai pas la fibre. Ouais, il y a pas de raison. Non mais moi c'est mon PC là, il y a un truc avec mon PC. Le jeu et le PC, il y a un truc qui va pas. Mais je saurais pas dire quoi. Faudrait peut-être que je remette tout à zéro, mais ça veut dire qu'il faudrait que je refasse tout. C'était déjà tellement énorme de préparer tout ça pour le stream. Mais je suis à 720p, 50 fps du coup. Ah oui. Ok. De la portée. De la chance. Plus d'ennemis, non, c'est bon, déjà je galère. J'aimerais bien des trucs explosifs. Ah, il serait pas content. J'ai une 3090, c'est pour ça. Il doit falloir ça minimum, sérieux. Ah, t'as une 3090? Non. C'est vrai? Un taser? Non, mais non, je vais pas jouer taser, c'est nul. Je crois, hein. Eh oui, non mais oui, c'est ce que je me dis. Ah, 3090, ouais, c'est beau. Ouais, je commence avec ça. Allez. C'est le minimum pour Brotato. Foutu boss! Avec les boules qui tournent. Ah ouais, il est dur celui-là aussi. Ouais. Il est pas évident. Ah dommage, Flora! Ah là là, c'est dur. Hein. Ah, tout à l'heure, on est mort aussi. Run 19, c'était. C'était la 19. La run 19, là. Hein, la vague 19. Elle a un peu d'armure. Un fusil. Et la dame moche. Et gigot. J'ai débloqué un perso. Le rapide. Ah, cool. En tout cas, dommage, dommage. Ça viendra, tu sais. Ça va bien, non, je n'en doute pas. C'est quoi que j'ai pris déjà? Ah non, c'est pas sur cette run. Attends pour moi. Je crois que j'avais pris un truc par rapport aux arbres. C'était tout à l'heure. Dégâts à distance, oui. Un fusil. Je dirais PV max. Ah, je peux pas prendre ça, mais je vais verrouiller ça. En vrai. Je vais garder mon argent. Le soldat est hardcore. Je sais plus ce qu'il fait. Je crois que le soldat, je l'avais... J'avais joué qu'une fois, je crois, non? Je sais plus. Je sais plus ce qu'il fait, le soldat. Le fusil à pompe. C'est pas mal le fusil à pompe aussi. La vitesse d'attaque, les chances de crit, la récolte, la chance. Je dirais la vitesse d'attaque. Et la portée. Il peut pas taper en courant. Donc si le jeu te troll sur les items, c'est rip. Ah, un des plus durs pour moi. Ah ouais. Ah c'est vrai, ouais. Prendre ça. Ça. Reroll un coup. Garder l'armure. Vas-y, on a combien de dégâts de base? 0, d'accord. Akiro m'a dit il faut pas avoir peur des lignes en rouge. Hein. Peut-être parce que lui aussi, dans ses runs, étant donné qu'il reroll pas, il garde de l'argent qu'il va utiliser pour finalement dépenser sur des objets qui vont compenser les trucs rouges. Il faut avoir un peu de chance, mais c'est possible, ça doit compenser au final. Ça, encore une fois, s'il arrive à gagner aussi souvent en danger 5, il n'y a pas de secret, quoi. C'est que ça marche.
Ouais, visiblement, lui est un gris-gris, puisque quand il est parti, on est mort juste après. Hein. Sinon, je prends un sceptre éthéré pour faire mon pull d'HP. Je peux prêter un petit pull d'HP. Le pull, quoi. Qu'est-ce qu'il dit? De la vitesse. Ah, je suis à moins 3 de vitesse. Attends, j'ai pas de régène non plus, donc... je sais pas si c'est mieux. Je dirais que non. Ok. Aussi des fois que j'observe, là ce matin j'ai pas assez observé l'environnement, des fois il vaut mieux rester un peu sur place, pas trop mais et bouger quand c'est nécessaire, alors que tout à l'heure je fuyais, pauvre fou, peut-être que j'ai pas assez stacké les ennemis, ouais je sais pas. Parce que ça se met à ramer surtout quand je cours partout là. Ah c'est toutes les attaques là. Vitesse d'attaque, merci. Justement. Justement, on pensait à toi. La chance de critique de l'esquive est moins de portée, oui. Ça, je veux bien. Du PV max en plus et moins d'esquive. De toute façon, on l'a pas, donc non, on va randomiser ça. Ah, un sceptre fantôme 3. En vrai, ça peut peut-être être utile. Parce que c'est quoi, tous les 16? Je prends ça et j'y vais. On va voir. Heureusement qu'il ne jouait qu'une heure et demie jusqu'à 14h. Mais j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Ah si, j'ai dit ça. Si je faisais un docu d'Eki, mais finalement je fais pas de docu. Parce que le jeu m'a dit non et moi je lui dis ah ouais. Ah on va voir ça. Et bien finalement il m'a dit non encore. Hein. Il a continué. Donc c'était peut-être pas la meilleure idée, mais c'est pas grave. Il fallait faire un choix hein. Dans la vie. La vie est faite de choix. J'ai fait celui-ci. Et voilà. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Ça va, Jelly? T'arrives à travailler? J'espère. Ça y est, ça rame. Alikoum, ça rame. Putain, ça y est, ça rame. Oh non! Moins de dégâts à distance. Ouais, dégâts de mêlée, dommage. Il y a tellement de combis marrantes à essayer, ce jeu est une tuerie. Non mais il est génial. Ninja, monsieur Pessoa, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ah super, dégâts de mêlée. Est-ce que ce serait pas... Ah non mais le dégât d'explosion... Mais dégâts de mêlée, je m'en branle. Pardon. Du vol de vie. Avoir un peu de chance, c'est pas mal aussi. Et de la vitesse, ce serait pas mal aussi. Ok. Mais je me concentrais, pardon, mais je parle plus là parce que... Ouais, mais non, mais là, je vais dessus, là. Sur les boules. Allez. Allez, je tiens le coup, s'il te plaît, tiens le coup. Tiens le coup. Ah, des dégâts à distance. J'ai combien de portée? 37. Les pacifistes, j'ai mis un point d'honneur à tuer le moins possible avec lui. J'ai acheté tous les ups qui font baisser les dégâts. T'as réussi à gagner. C'est beau. Oui, en survivant quoi. La déchiqueteuse, mais on n'a pas de dégâts d'explosion là.
Ouais, peut-être, hein, on peut prendre ça. On va combiner ça. En vrai... c'est pas du tout ce que je voulais faire. Je me suis complètement gouré. Bon, allez, laisse tomber. Je suis complètement à la masse ce matin. Je suis à la masse man. Je voulais verrouiller le truc. Je verrouille l'objet, je l'achète juste après. Oh là là. Même si j'avais zéro dégâts. Ah, c'est rigolo. J'ai fait 4 tasers, 2 miniguns avec du lifesteal pour régène comme un porcasse et c'est passé en danger 5. Oh, bravo. Ah, GG en vrai parce que... c'est beau, hein. Il faut pouvoir vraiment le stacker, ça. Non, non, c'est beau, bravo. Il faut être de la vitesse assez rapidement, par contre. C'est marrant parce que là, vous voyez, le bébé, ça pourrait faire ramer, mais ça fait pas ramer. Je sais pas pourquoi. Vas-y. De la vitesse. 3 de vitesse. Non, je prends des PV max, tant pis. Hein. Esquive, vitesse d'attaque. Ouais, vas-y. Merci. Merci. Moins 2 de vitesse. Non. Mon dieu, petite dédicace à zéro. Révolte. Coucou zéro, comment vas-tu? Pourquoi il a droit à sa dédicace, lui? Pourquoi... ouais. Non, mais c'est vrai que Sanglier de Provence, il stream, mais il stream pas là. Il stream pas avec son pseudo. Bon, bah alors révolte, hein. C'est exactement ça. Ah! Bon, en vrai, je suis obligé de prendre ça. Allez, go. Écoute, zéro. Pourquoi j'ai droit à une dédie? Je sais pas. Demande à Serda. C'est parce qu'il t'aime, sûrement. Moi, oh, je suis content, hein, ça me va. Oh, c'est... Bah oui, c'est ça. Exactement. C'est parce que tu es merveilleux. Alors, c'est normal. Hein. Ah, moi, ça me va très bien après. Hein. Je suis pas en train de dire, tu fais quoi là? Tu enlèves moi ça. Faut pas de dédicace des clodos là? Non, pas du tout. Au contraire, je suis ravi de faire des dédicaces de zéro. Il est cool. Donc allez le voir. Allez voir sa chaîne un petit peu, c'est cool. Il fait du brototo aussi. Hein. Le bébé là, le bébé fait du bien, comme on dit. On dit dans le milieu. Le bébé est pas mal, hein. Le bébé, je fais du brototo aussi, mais mal. Mais non, on fait comment les dédis? On a commencé il y a pas longtemps, on n'a pas tous les tips encore. Certains, comment on fait les dédis? Je sais pas comment on fait. Il y a 2 heures, il a parlé de toi et de te follow pour spam les révoltes. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Ah, la vitesse. Bon, la régène était très belle aussi, mais ma vitesse, j'en ai besoin là. Ça, c'est très bien. Le reste, moins. Ah. En vérité, ce lance-patate, là, il fait tâche. Si je puis dire, hein, si je puis dire, il fait tâche. Et je crois que je partirai plutôt sur... ouais. Au revoir lance-patate. Merci, cordialement. Est-ce que j'ai assez? Pas du tout. Je vais quand même prendre ça parce que je vais en avoir besoin. Et ça, je vais le garder. Et je vais partir. En vrai, je vais partir. Je vais garder ça.
Ah, visiblement, vu les malversations et les colibés de hier soir. Ah, c'est vrai, mais en même temps, tu donnes un pouvoir à des gens qui ont tout à fait conscience qu'ils vont en faire n'importe quoi. Ils te l'ont dit hier. Hein. Akiro et Serda te l'ont dit. Ils t'ont dit, mais pourquoi? Pourquoi donner ce pouvoir à Modo? C'était très drôle en tout cas. Vous avez été très rigolos tous les deux. Avec vos conneries là. La vérité. Allez. Non. J'ai vraiment pas de vitesse là. Ça va pas. Il faut de la vitesse. Mets juste un slash dans le chat. Tu verras toutes les commandes dispo. En effet. Mon stream est dédié au punk achat. Du coup. Au punk achat. J'adore. Chance de crit. Allez, chance de crit. Sceptre fantôme. Non. Le rituel, oui. Chance de crit. Et là, c'est 8 x 4, 12 x 4. Pas sûr. Hein. Je suis pas sûr. Alors, faut le combiner. Peut-être je le combine. Je combine ça et ça. Non, je crois pas. En vrai, je crois pas. Par contre, ça, ça ferait du bien. Ah, ou alors je combine et... Je m'en vais. Ok. Bon, j'ai une grande nouvelle. Enfin, pas si amazing que ça, mais je suis content. J'ai changé mon siège. J'ai enfin mis le setup devant moi. Hein? Pourquoi il était où? Il était dans une autre pièce? Mais il était où? Plus de torticolis. Ah, c'était genre tu devais tourner la tête. Attends, parce que c'est pas le moment de tourner la tête, mec. Tu feras tes démonstrations de torticolis tout à l'heure. C'est déjà assez compliqué comme ça de faire une run sans que le PC se mette à brûler. Alors si en plus tu te fais le coup du lapin toi-même, merci quoi. Ça rame trop, j'arrive pas à savoir où je vais. J'arrive pas à faire des esquives. Quel enfer. Tout de travers, comme les Égyptiens de les nuls. C'est ça. Très bonne référence, ça. De la vitesse, allez. En fait, est-ce que ça sert à quelque chose, la vitesse? Je vous le demande, parce que quelque part... Je crois pas. Vu que ça rame. L'esquive peut-être. Bon, vas-y, la vitesse. Il faut bien qu'on joue un minimum. Ah. Ah ouais, mais là. Je crois qu'il faut que je vire ça. Il faut pas que je fasse ça. Si ça se trouve, j'en ai pas besoin de ça. En vrai, j'en ai pas besoin de ça. Je peux pas ne pas la mettre. Je suis obligé. Peut-être que c'est ça, en fait, qui fait que je meurs. C'est peut-être pour ça que je perds. Allez, c'est parti. Au secours. Ah, j'ai pas pris le bandana. Dommage. J'avais combien de dégâts? 8. Ouais, bon. Pas fou, mais... Ah!
Aïe 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 aïe. Flop. Oh là là. Oh. Ouais, bah d'accord, ok. J'ai quasiment qu'une régène là. Oh là là, mais je... arrête de ramer le jeu, tu me saoules. Un croco, elle va me dire. Oh, t'as pas arrêté de râler ce matin, c'est vrai. Et je le sais, hein, je sais ce qu'elle va me dire. Hein. Et moi je lui dirais, ouais, mais bon, c'est trop dur. C'était trop dur, j'ai pas pu me l'empêcher. J'ai pas pu ne pas le faire. Vitesse d'attaque, chance de crit. Ah, déchirure, c'est pas mal. Ah non, c'est des dégâts. Moins de récolte, mais bon. En vrai. Il me faut ça et ça. J'aurais pas assez. Je pense que j'ai quand même plus besoin de ça que de ça. Les ennemis ont 20% de chance d'exploser en infligeant 11 dégâts lorsqu'ils meurent. Ça fait... Est-ce que ça proc sur les dégâts d'explosion ou pas? Ah, ça peut peut-être aider quand même. Hein. En vrai. Allez, j'y vais. Par là-dessus. Ouais, je sais que c'est mêlé, mais bon... j'ai besoin de tout, là. J'ai besoin de tout ce que je peux, hein, pour... Après, c'est... est-ce que... c'est que mêlé? C'est pas explosion, du coup? Ouais, du coup, ça vaut pas trop le coup. En effet. Ah, mais d'accord, ok. Ah ouais, j'ai compris, vous êtes rabat-joie. Vous voulez pas que je gagne en fait. Ok. Et quand ça rame pas, c'est à peu près... c'est viable. Il y a un truc où tu te dis, je peux faire quelque chose. Vous voyez, ces esquives-là, je peux les faire. Pas que je vais gagner, que je gagnerai si ça ramait pas, mais je peux faire ces esquives là. Quand ça rame, c'est trop dur, des fois au millimètre près. Comment faire? Les brûlures s'activent? Non, s'en fout. Non, c'est nul tout ça. Les chances de crit, de la vitesse d'attaque, de l'esquive. Toujours plus de vitesse d'attaque. Mais il me faudrait faire des dégâts en réalité. Donc ça, ça sert à rien. 20% de chance. Non, t'as raison, c'est nul. Drama stream, moi. C'est ça. 20% de chance que ça proc. Tu m'as fait perdre ma prédit de Tal. Oui, bon, ça va, je le prends pas. Alors. Ah! Ah! D'accord, Zéro, à plus tard, des bisous. Merci d'être passé pour faire un zibou. C'est cool. Je peux pas tout prendre là, si. Ah, si, je pourrais prendre ça, mais j'aurais besoin de ça. Il me faut la déchiqueteuse. Est-ce que 3 déchiqueteuses, c'est pas mal. Hein. 3 déchiqueteuses, un sceptre fantôme, vague 15. Le pistolet médical me fait de l'œil aussi, quand même. Hein. Est-ce que je remplace mon sceptre fantôme par un pistolet médical? Parce que ça proc plus souvent des PV max. Ouais, quoique j'en ai peut-être besoin parce que j'ai aucune régène. J'ai 7% de vol de vie. En vrai, ça fait mal, mais je crois que c'est ça qu'il faut faire. Attends, quand même. Ou alors... Ou alors je... Ouais. Je pack 4. Je préfère en avoir 2, 3 comme ça. Et peut-être que je peux en combiner une. Je peux combiner une déchiqueteuse. Peut-être pas. Hein. Le fusil a fait combien de dégâts? Le fusil? Quel fusil? Le pistolet médical?
Tu fais 32 dégâts et le sceptre fait 28. Et bon, tu gagnes des PV, c'est quand même... À la dernière vague. Je sais pas... Je vois pas de quoi tu parles. Il y a eu tellement de dernières vagues. Ah, le fusil à pompe. Le fusil à double canon, pardon. Ton fusil. Je check les dégâts de l'arme sur la dernière vague. Elle vient d'arriver. 1200 pour celle-là. Mais ça me soigne un peu. Ça fait pas beaucoup de dégâts, ça, en vrai. 2900. C'est presque ça qui fait le plus de dégâts. C'est rigolo, quand même. Ça aurait été rigolo de faire... Ça aurait été rigolo d'avoir que des fusils. Des fusils à double canon. De faire... Pour choisir un build, c'est pas mal, cette info. C'est vrai, c'est vrai. En vrai, les dégâts d'explosifs sont pas mal. Ça balaye le pompe. Ouais, le pompe, je le garde, c'est sûr. C'est pour savoir si... Ou alors je... Non, ouais, non. Non, non, non. Il me faut du soin quand même, je pense. Parce que là, on a aucune régène. Et la question, c'est de savoir, est-ce que je garde le sceptre? Est-ce que je me mets un sceptre de ouf? Et je me mets un pistolet médical ensuite... Prochaine vague, peut-être? Ça fait cher. Est-ce que j'enlève ce sceptre fantôme? C'est vague 15, il est 15h33, il faut que je me dépêche, tant pis. Hop, voilà, j'ai décidé. Vitesse d'attaque critique portée, régène moins 2, ok, déchiqueteuse. Allez, go. Il faut y aller. Tu peux combiner deux déchiqueteuses si tu te sens serein. Non, je me sens pas serein. Je sens pas serein du tout. Allez, on enchaîne comme cool chaîne là. J'ai pas le temps, hein. J'ai pas le temps de niaiser. Autant vous dire que là... Ah putain, je vais prendre le temps de manger. C'est n'importe quoi. Bon, c'est pas grave, c'est les vacances après. C'est la dernière matinée, on est fou. C'est pas grave. J'ai envie d'essayer d'aller au bout. Arrête le jeu, hein, arrête. Hein. Rampe pas, s'il te plaît. S'il te plaît, fais quelque chose. Il y a tellement de x2 là au milieu. Ok. Moins de portée. Ouais, on a de quoi voir venir. Dégâts à distance. Oui. Moins 2 de régène. Bah, on n'aura aucune régène. C'est un petit peu effrayant quand même. J'y crois. Le poulpe. Ah, pas mal. En vrai, chance de crit moins 8. C'est pas fou, mais c'est pas mal. En vrai. Plus de portée, moins d'armure. Je prendrais bien ça. Hein. Toujours plus de vitesse d'attaque. J'y vais. Ça sent la transpi. Hein. Ah ouais, là. Là, ça sent la transpi de ouf. Ça sent la transpi, trace de pneus, tout ce que tu veux, là. Il y a total. Je voulais voir un truc. Combien il fait de dégâts? Il fait 13, ouais. D'accord. Enfin, tout à l'heure, je crois que j'ai raté un bandana. Hein. Pas pensé, mais le bandana... c'était utile. Sans me déconner. Ouais, sans me déconner. Allez, ça rame. Ça rame. Pourquoi ça rame?
Ok. Ah. Ok, on discute. On essaye comme ça, hein. On va essayer comme ça. Ouh, on met du temps à les tuer quand même. Ouais, quand ils ont de l'armure, en tout cas, oui, on met beaucoup de temps à les tuer. Mais bon, on n'a pas énormément des comme ça. Eux, ils ont beaucoup de vie, là, les lézards, là. Les vers de terre. Je pense qu'il faudra que j'abandonne un pistolet aussi. À un moment donné. Attention. Je suis enfermé. Abandonner un pistolet, pas sûr. Oh là 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 là, mais c'est dur quand ça rame là. C'est super chaud. Vraiment, hein. Je vous assure, c'est galère. Oh, ça c'est bien. J'ai très peu de chance, donc c'est pas la peine. Plus esquive, moins de portée. On peut pas tout mettre là, hein. Il me faudrait plus d'armure ou plus d'esquive et de chances de crit. On va prendre un peu plus d'armure, là. Ouh, salut Fti, comment ça va? J'espère que tu vas bien, je t'accueille à coup d'hélice. Je vois pas la stat d'esquive. L'esquive, je suis à 5. Je suis à 5% d'esquive. Je suis à 5 d'esquive, tu vois. C'est pas fou, en vrai. Après, dégâts d'explosion. Les pourcentages, 30%. 30%, ouais. On va voir. On va voir s'il y en a un truc ici d'intéressant. Ah. Primaire. C'est quoi les dégâts? On a 17 de dégâts. Ouais, mais là, on commencerait mal. Hein. Non, vas-y, c'est pas grave. On va garder ça comme ça. On va voir si on arrive à survivre. On a 39. Vite, j'ai 6 minutes. Oh putain, pourquoi je réfléchis? On avait dit vite. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi ce que je fais. J'ai rendez-vous dans 5 minutes, là. Il est con. Mec, il est con, ce streamer. Putain, faut pas que je me gourre, hein. Faut pas que j'oublie d'enlever la casquette. Sinon, le psychologue, il aura l'air de quoi. C'est rigolo, ça, remarque. Ah, ça peut être un accessoire, hein, remarque. Accessoire de voilà. Comment travailler l'autodérision. Pas mal. En vrai, pas mal. Franchement, je leur dis, écoutez, je vais m'en... Je raconte des bobards, je dis ouais, le prochain rendez-vous, si vous faites ça, j'achète une casquette à hélice de couleur et je la mets pendant tout l'entretien. Pas grave, tu diras que tu étais sur Brototo, le gars comprendra direct. Ah ouais, sûrement. Pas du tout. La vitesse des chances de crit. On peut pas avoir de l'esquive un peu, ouais. Pourquoi pas. Du vol de vie. Toujours plus de vol de vie. Non mais j'aime bien le vol de vie, en vrai. Moins d'esquive, moins de récolte. Ah, c'est pas mal, en vrai. On peut la garder pour tout à l'heure. PV max et armure. On va garder notre pognon. Par contre, un peu moins d'esquive, je suis pas sûr. Pour le coup, ça, c'est moins convaincant.
je suis semi-convaincu de ce deuxième pistolet médical là, le bleu. Le pistolet médical bleu, je suis pas sûr. Mais je crois que j'aurais pas... Oh là là, oh là là, ouais, faut déjà survivre là en vrai. Ça c'est une autre histoire. Oh mama mama. Oh mama mama. Oh, ils font si mal, ils font si mal. Je vois rien. Putain de jeu de mes couilles. Pardon. Je suis désolé, mais ça me rend fou. Ça me rend fou d'arriver jusque là, d'avoir peut-être une petite chance et de mourir parce que le jeu il rame. Je vois rien, je sais pas ce que je fais, je fonce dedans. Oui, bah oui, vous avez, oui, bah oui, bien sûr, je vois pas ce qui se passe. Non, mais... Ouais. Non, mais ouais, je peux pas jouer. Je peux pas jouer. Dommage. Ah, je peux pas jouer, je suis désolé, je peux pas jouer là. Je veux dire, t'as 2 FPS. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Bon, désolé YouTube, hein, finalement on aura réussi à rien. On aura réussi à rien, c'est pas beau. Moi j'étais de la RAM au Minitel là, mais non, mais même pas. Si seulement j'ai 32 Go de RAM, mais c'est pas les specs du PC, y a aucun problème. Pour Brotato, je veux dire, je fais tourner d'autres jeux, j'ai zéro problème. Je sais pas, y a un truc qui va pas avec Brotato des fois, hein, c'est pas pourquoi. Bref, YouTube, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si ça t'a plu tout de même, malgré mes tentatives. J'ai tout donné, je te jure, YouTube, j'ai absolument tout donné ce que je pouvais. Prends soin de toi, YouTube, en tout cas, n'hésite pas à venir nous voir là, peut-être pas dans les semaines qui viennent, parce que je suis en vacances, hein, donc bon, bonnes vacances à toi, bonne année, des bisous YouTube. Ah oui ? Ah bah oui, au revoir.